Amis confinés, bonsoir. Mes textes me font chier. Je peux plus les voir, ils me sortent par les trous de nez, je peux plus les sentir, j'ai plus envie de les dire. J'ai envie de les vomir. J'ai plus envie de les réciter, j'ai envie de les jeter à la poubelle, de les couper en rondelles, de les noyer dans l'eau de vaisselle, de les donner à bouffer aux chiens dans l'écuelle. Mes textes me font chier, je peux plus les voir. Ils me sortent par les trous de nez, je peux plus les sentir, j'ai plus envie de les dire, j'ai envie de les vomir. Je suis dégoûté comme du pus sous la croûte, j'ai envie de les brûler, de les éradiquer, de les disperser, de les exterminer, de les pulvériser, de les renier, de les amputer de toute forme de poésie. J'en ai marre d'être sous leur joug, j'en ai marre de me prendre des coups, de les humer jusqu'au dégoût. Je suis occupé à chercher quelque part une bouche d'égout. Je suis occupé à rêver, être expert comptable, statisticien, ingénieur, contrôleur technique, plongeur à la cantine du ministère des Finances, vendeur en porte-à-porte, dans la Drôme, je sais pas, dératiseur. C'est pas gai, je vais me flinguer. Je suis pas gai à l'avant. Coup dans le vide, coup dans la merde. Mes textes me font chier, je peux plus les voir. Ils me sortent par les trous de nez, je peux plus les sentir. Sans mentir, je vais craquer, je suis comme une bête, je me sens traqué. J'ai la nausée de Sartre, ils me sont comme l'étranger de Camus. T'as une corde pour me faire sauter? Une branche pour pendre mes jambes à mon cou? C'est décidé, j'arrête de respirer.